Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité israélienne. Des centaines d'Arabes israéliens et militants d'extrême gauche se sont rendus jeudi au passage d'Erez, bordant la bande de Gaza, afin de protester contre le blocus israélien. Le premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, a adressé un message aux manifestants par le biais du téléphone cellulaire du député Hassana. Nous nous retrouverons à la mosquée d'Al-Aqsa et à Jérusalem, qui sera toujours arabe et islamiste, a-t-il déclaré. Haniyeh a également affirmé qu'un an après l'opération Plomb durci, les habitants de Gaza sont beaucoup plus forts.